préparer cet album? Honnêtement, bon, je ne vais pas trop le dire parce que ça va faire ni de ni photo, quoi. Mais honnêtement, ça a été comme ça, quoi. Parce que bon, c'est comme la natation. Dès que tu te remets en selle, ça vient. Donc peut-être ça aussi, c'est l'expérience, c'est l'habitude, tout ça. Mais il y a eu quelque chose de spécial au niveau des émotions, au niveau, tu vois, du travail. Il y a des gens qui nous écoutent, ils disent que vous avez rajeuni. Oui, parce que pour eux, en ce moment, bon, au niveau hein, de la musique, de comment on pose à Café de Tourny, pour eux, on allait faire des trucs dépassés. Même si la musique, elle est beaucoup plus mature, écoute au niveau des flows, okay, tout ça. On a su aussi faire de la musique pour Demak Jamonobi. C'est-à-dire, c'est une musique qui est les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas les gens qui sont les gens. Ils ne sont pas les gens. Donc, on ne veut pas faire de la musique d'il y a 25 ans ou d'il y a 15 ans. Ça ne sert à rien. En fait, honnêtement, hein, c'est que quand les gens ils ont entendu 25 ans Positif Black Soul, ils s'attendaient à voir le Positif Black Soul du temps, quoi. Mais je veux dire, bon, moi, la dernière fois, honnêtement, quand je suis venu au studio, j'ai écouté quelques sons. Mon ami dit, penses-tu pas que bon, peut-être que ce sera un album beaucoup plus consommé hors du Sénégal que c'est un Ghanais moi, Dinador. Waouh, parce que le lagam, parce que Sénégalais, nous sommes sans bonheur. Ok. Sénégalais, mon olé nak, tel que sans bonheur, il dit non, les moi donc non, il est de faire le nerf. C'est ce qu'on consomme partout dans le monde et leur dire voilà, nous aussi on a droit à la qualité. Si. Il ne faut pas que parce que c'est nerf, justement, parce qu'il y a une qualité, on se dise non, les pour Toubabi là, ou les pour Américain. Là, non, le nerf est pour Niapol. Non. Notre pays est sur. On a commencé par ici. Nous avons gagné d'abord avec quelqu'un d'autre ailleurs, mais on recommence par ici. Ici. Fimo sur une base. Okay. Et le public sénégalais, il faut nous bailler des connards. Il faut pas. Quand tu sors un album, tu n'es pas obligé d'expliquer que non. Non. Musique bisounère, ça va parler par. C'est elle-même. Clair. Et il faut faire une musique aussi qui parle au monde entier. Et une bonne musique parle à tout le monde de toute façon. Donc là, on a essayé de travailler avec. On a trouvé un petit génie qui s'appelle Akache. On s'est enfermé avec lui. Avec aussi beaucoup de musiciens comme Tibas, comme Yann Mané et les Atoman, il y a tout le monde dans la zone. Mais on était en réclusion, on a dit ce qu'on doit faire là, ça doit parler, c'est de faire une musique qui doit être actuelle en 2015-2016. Comment faire une musique qui va être indémodable? Faut que tu ne peux pas switcher d'un morceau à l'autre, dire non, non. Il faut que y ait des gens partout dans le monde. Parce que aujourd'hui, sur Guinée Musique, déjà là, on est appelé à tourner. On va très vite tourner. Oui, oui, parlons de tourner. Il y a une tournée prévue pour 2015. Ok. On a d'abord une tournée nationale. Quand on a fini la tournée nationale, on est en tournée africaine à partir du mois de mars. Et vers l'été, on est en France et aux États-Unis. Et on terminera la première saison avec les festivals d'Amérique du Nord. Wow, festival d'Amérique du Nord. Positif Black Soul, 25 years, t'as pas ton album de Mongo Outikon. Mais l'unité fait que moi, remercier déjà les gars. Leur souhaiter bonne chance, bonne continuation. Et franchement, man, ça fait plaisir de les recevoir ici sur scène, tous les deux ensemble. Parce que bon, j'ai eu Degui Yapa, j'ai eu Awadi Yapa. Et là, Positif Black Soul, 25 years, Bokonat Histoire. Wow. Je fais partie de ça. Ouais, alors, il faut me remercier moi aussi, Jupiter, Iso, Siri, parce que Yenang Kijap. Et franchement, on vous remercie parce que c'était pas forcé. Et Yenang Kijap, ça nous touche. Même les autres télés. Mais franchement, mention spéciale à la famille pour Yenang Kijap depuis Dembe. Et Taï aussi, vous n'avez pas. Vous ne nous avez pas déçus, vous êtes allés même au-delà de nos attentes. Merci beaucoup pour le soutien de tout le groupe Excaf et toute la famille. Donc, c'est ça, on se donne rendez-vous le 25 déjà pour le concert. 27 décembre. 2-7. Voilà. Samedi 27. Wow. De place du souvenir, hein. Monument de la Renaissance. Ken Moussoufa Def concert, ce sera une première. Et puis vous verrez le monument comme vous ne l'avez jamais vu. Inch'Allah. L'étude décor. Ouais, non, l'étude décor. L'étude déploiement, son et lumière. L'étude locus, magie. Non, on a. Non.
on parle de la magie quoi dans OpTV man je crois là mais ay genti wa fen ya lolu kawé tout mu dog yag na len ko wax. Alors vite fait barani fi joge, il y avait une question que je voulais vous poser. Il y a pas d'invité, il y a pas de première partie dans l'album, il y a pas de featuring, c'est Positive Black Soul point tout court. Lolu c'est décidé wala da ngeen tollu ci ben djab bo xamne non da ngeen né bon li ni lañ ko bëgg défé wala c'était pour prouver quelque chose. Non, on n'a rien à prouver. On a envie de se faire plaisir. Maintenant, il y aura de la magie, il y aura des surprises. Mais dans l'album, on ne voulait pas de featuring. Okay. On avait besoin de se retrouver entre nous d'abord. Sur la scène et sur la communication, c'est nous d'abord. Maintenant, est-ce que tu verras des artistes invités dans le show? Oui, mais il n'y aura pas de première partie, ça c'est sûr. Mais il y aura des grands artistes et des énormes surprises dans le show. Mais même maintenant, j'ai une surprise pour vous. C'est le jour des surprises, quoi. Yeah. Dagui, à tous ceux qui suivent RDV et OpTV en ce moment, c'est quoi votre dernier mot par rapport surtout à la nouvelle génération? Parce que Yagna Wargaï, on est 2014, l'innovation est au point, et nous avons dit 2015, et c'est en train de s'élargir, en fait. Et il faut que les gens sachent ça. Ils ne sont pas contents, mais il faut qu'on accepte que l'innovation est là. C'est juste qu'ils ont besoin de coups de pouce, quoi. Vous, les grands frères, vous ne finissez que quoi? Deux mots avant qu'on se donne rendez-vous déjà le 27. Follet. Ouais, bon, ce qu'on va dire, c'est que le talent est là. Gars am nañ talent lolou kuko waxul moy hayta nga da nga len ku mer nga quoi talent mom ñaku fi wax fa deug yalla man damay deglu ay gars duma wax ay tour parce que tam bo faté ken ki xam nga ken mu méré l'affaire mais en plus vu qu'on a de très bons rapports avec ñom ñep toute cette nouvelle génération on les encourage à travailler fournir beaucoup plus d'efforts affaire bi y a pas de secret c'est faut travailler faut innover faut sonner différent soyez vous-même soyez authentique. C'est pour ça que nous on a choisi cet album bi ñu def lenen pas ñu ñëwaat ak affaire bo xamne ñu ko doon def kini et le monde continue comme ça, il évolue comme ça. C'est on peut être xam nga real garder la base mais chaque fois il y a un habillage bo xamantene dafa wara nice dafa wara and ak jamono mais évoluer jël len le maximum xam xam bo len mën après ngeen personnaliser ko ngeen indi sen couleur. Et puis respect à vous tous quoi, toute cette nouvelle génération. Merci beaucoup DJ. Yo, loy wax gay. Non mais écoute, je pense que dagui wax nako quoi. Moi je pense qu'il faut oser chaque fois faire des choses yo xamné mëna bet gay et ne pas avoir peur quoi. Sky is the limit. Lo tojul du kawé lo la gëm. Donc essayez, faites des expériences, n'ayez pas peur de vous planter, mais essayez des choses. Mais en tout cas, man, j'ai vu qu'il y a une nouvelle génération, ils ont des flows qui sont violents. Gisna aussi, qu'aujourd'hui, les gars, ils ont des rap déposés ou quoi. Voilà. Il y a eu un moment, il y a eu un moment, rap, il y a eu un rap, il y a eu un rap. Donc voir chez comme musique mettez boy de nous poser au gain des bounce la musique bien. Ils sont à l'aise sur le beat quoi. Non oui mais nous dañuy rap le titre ngéné show boy fu ñuy rap gain de ground top et ça me fait plaisir. Il y a une nouvelle génération bo xamné ils ont le truc si té amna ño xamné dañ kay ñaxanté grand yi sax. Oui, maintenant la deuxième étape moy ñu def ben musique bo xamné dina génn koñ bi quoi. Surtout faut que musique bi génn koñ bi surtout xam nga boul représenter ce coin kessé djemal représenter Afrique bi yeb yobul ce coin founé dans le monde xam boul dess ci coin bi moy luma do yag wax matado xam a moment au début du mané non lu ngeen def c'est très bien mais instant bi da ngeen bëgg représenter Tiaroy kessé non lu ngeen di def ni dépasser na Tiaroy tu vois il faut dépasser le coin. Mais aujourd'hui il a compris. Non, Matador, justement, il a fait ce travail. Quand tu vas voir Matador sur toutes les grandes scènes du monde, Tiaroy mi ngi tourner avec Matador parce que fumu demé wa tia la xam nga mais bu ko yamalon tia rek wa tia duñu genn tia deug nga ma de yeah. Donc c'est ça quoi. Légui l'étape c'est de rattraper les Nigériens et les dépasser sur le continent africain et voilà, être prêt à voir des spectacles qui peuvent faire le tour du monde, travailler vraiment les spectacles. Moi j'ai amené un bête boubré quand je vois qu'aujourd'hui tout le monde est en live et ils le font bien. Tu vois,
Et ça, les gens de Walian ont fait un gros travail avec Amadjo. Si. C'est bien. Aujourd'hui, si Damna Sorano Kero Miss Gayob Dekotek en live, yeah. Spectacle, mais j'étais impressionné. Made in. Grawande. Festival Made in. Non, trop. Moi, j'étais à l'aise sur scène. Damna Donna Aurek. Ah oui. Grawande. Ah oui. Shout out to Amadjo, Walian et toute la clique. Il de Kawé. Faut vous okay. Le Dara. Le même spectacle, imagine ça, nous avons beaucoup Apollo, nous avons beaucoup Olympia, nous avons beaucoup, je ne sais pas, n'importe où dans le monde, c'est yep. Possible. Yep. Yep. C'est possible. En tout cas, PBS, on est là pour ça, parce qu'on n'a pas l'intention de faire les choses en petit. Honnêtement, vous verrez un nouveau PBS, mais c'est pour le bien de la culture sénégalaise. Et de la culture africaine en général. Ok. Pour le bien de la culture sénégalaise et de la culture africaine en général, parole de PBS dans Up TV with a Serious Business. Rendez-vous tout le monde le 27 au Monument de la Renaissance pour le show 25 Years Positive Black Soul. This is the source, ok? Whatever you need to know about African hip-hop, this is the source, ok? You don't talk to Positive Black Soul, you ain't got nothing on us. Alright, et vous aussi, tu nous balances la vidéo. Merci mon Dieu, que je dédie à tous ceux qui sont connectés sur Up TV en ce moment et sont rendez-vous le 27, voilà, au Monument de la Renaissance. Merci les gars, bonne merci. Continuation, merci. Bon concert. De toute façon, je serai de la partie. I got my surprise too. Alright. Holla!